Hey, y'a tout le monde, ici Jergus. Je tiens à préciser avant ce début de vidéo, je vais extrêmement beaucoup tousser, étant donné que je suis malade. Ça fait 2 jours que je tousse. Alors, t'inquiète pas si tu m'entends tousser comme un mort-vivant. Tout est normal. Bref, aujourd'hui, nouveau concept, t'as pu voir par le titre, je peux pas te dire le nom parce que après, je vais être maudit, je préfère pas prendre le risque. Bref. Alors du coup, on va commencer l'histoire. Allez, ta gueule, c'est bon, voilà, allez, on va commencer, finir ça et tout. J'ai conne. Bref, du coup, voilà, on va commencer. Bon. Déjà, faut que j'aille dans mes... Vidéo. Le dossier magique. Je déconne. Voilà, ici. Ça dégage. Ah, du coup. Super. Alors du coup, ce qu'on va faire, les mecs, ce qu'on va faire, on va passer directement sur cette scène. Alors, les différents noms de BM, bon, je te laisse voir par toi-même, je peux pas les dire. Voilà, t'as celui-là, 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 celui-là. Celui-là et celui-là. Différentes façons de l'invoquer. Cette légende. Tourner 7 fois devant le miroir et dire le nom de la légende urbaine. Ouais, ça j'ai marqué trop dangereux parce que voilà, dire ouais, voilà, ça je vais te maudit. La façon la plus grande de l'invoquer est de mettre une bougie à gauche et à droite de la glace et dire 3 fois son nom et prononcer la formule magique que je ne dirai pas parce qu'elle est maudite. Alors, je vais juste l'écrire tout en bas. Voilà. Cette formule-là. Voilà, du coup, on était où? Ouais. Ah, j'ai oublié. 2 secondes, excusez-moi, 2 secondes. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai oublié de la mettre en loop. En loop. En loop. En loop. Voilà. Voilà, pour revenir à la légende. Donc, t'as vu un peu la formule qu'il faut les prononcer. Maintenant, passons aux versions 3. Aux versions 3. Non, aux versions. En chantant et en tournant sur soi-même et en disant et ne prononçant la formule magique 7 fois. Toujours en tournant sur soi-même. Une autre version dit qu'il faut dire plusieurs fois son nom pour comment. Attends, dire plusieurs fois son nom. Commencer par le dire tout bas et le répéter de plus en plus fort. Ou une autre rencontre qu'il faut dire. Attends, ou une autre rencontre. Attends, raconte qu'il faut dire, je suis des potes. Raconte qu'il faut dire son nom en rapport avec le diable. Voilà. On le répète en plusieurs fois. Ah, bien sûr, son nom que je viens de dire, le nom du diable, bah, c'est ça. Voilà. Alors, de mon côté, je connais quelques petits trucs. Alors, d'après ce qu'on raconte,
Il y a trois versions que je connais. L'une raconte qu'elle était née d'une maladie très très contagieuse. Une maladie grave. Et du coup, son père, qui était docteur, décide de l'enterrer vivant. Attends, je vais juste baisser un peu ça pour que tu voyes mieux. Décide de l'enterrer. Wow. Décide de l'enterrer vivant. Pour ne pas qu'elle puisse contagier les autres. Et du coup. Il a mis une cloche au niveau de la tombe. Oui, une voix bizarre, ça se fait, je suis un peu enrhumé. Il a mis une cloche au niveau de la tombe. Et si elle se mettait à réagir de façon normale. C'est-à-dire, si, comment expliquer ça? Salut mon pote, comment ça va? Ça va tranquille? Non, ouais, alors, du coup, je disais. Son père a mis une cloche au niveau de sa tombe, si c'est bien comme ça qu'on raconte. Et si elle se mettait à vouloir sortir de sa tombe, bah en fait c'est simple, la cloche sonne. Ding, tu vois, un truc comme ça, tu vois là. Et c'est quoi ton concept de te dire voir, c'est très très près. Oui, alors je t'explique parce qu'en fait c'est la caméra de mon PC. La caméra de mon PC. Oui, pourquoi une caméra de mon PC? Parce que je rack avec OBS. Et c'est comme ça que je peux avoir des musiques tout en faisant des histoires d'horreur en live. Voilà. Du coup, voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Bref. Du coup, je disais, si elle se mettait à vouloir sortir de sa tombe, bah la cloche, ça sonne. Le ding ding ding, tu vois, voilà. Et du coup, on raconte que. Quand on se montre aussi près d'un terrain. Quelle tronche! Ok. Oui, petite info, je suis malade. Bon, du coup, alors on raconte que cette entité serait morte dans la tombe avec les ongles arrachés parce qu'en gros elle a gratté au niveau de la tombe. T'as le corps, t'as allongé. Et au-dessus, t'as une paroi qui renferme la tombe. Du coup, elle a gratté. J'ai compris, t'inquiète. J'ai capté. Bref. Du coup, on raconte qu'elle serait morte avec les doigts ensanglantés. Force de gratter au niveau de la tombe. L'autre version raconte qu'elle serait morte dans un accident de voiture. Voilà. Une autre version raconte que c'était une sorcière qui avait des manigances un peu sorceliques. Je sais pas si ça dit, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait. À soigner les gens avec des plantes qu'elle trouve dans la forêt. Du coup, voilà. Et que. Oh, blablabla, voilà. Elle avait des plantes, elle soignait des gens, hop. Voilà. On la considérait comme une sorcière, voilà. Et du coup, il y a une histoire, un truc de genre. Une histoire de. Une fille qui a coursé dans la forêt. Et qu'à la fin, ils l'ont brûlé vif sur un bûcher. Voilà, j'ai pas trop compris, voilà. Ça, c'est la deuxième version. Brûlé vif sur un bûcher. Brûlé vif. En la considérant comme une sorcière. Troisième version. On raconte qu'elle a été enceinte d'un bébé.
Et que avant de la tuer, qu'elle accouche, après, qu'il l'aurait tué. Voilà. Il y en a plusieurs. Je sais pas si t'as regardé le film Urban Legend 3. Bah c'est simple, au niveau des années 60, si t'as regardé un peu, si t'as suivi un peu Urban Legend, il y en a 3. T'as Urban Legend 1, Urban Legend 2, Urban Legend 3, voilà. Bon, alors Urban Legend 3, on va venir au sujet. Urban Legend 3. Alors, que je me rappelle. Voilà, Urban Legend 3. Pas le premier mot, mais le deuxième, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Donc, voilà, le mot qui commence par M, c'est-à-dire son nom, voilà. Du coup. Tout commence dans une fête de l'école. Bon, les gens emmènent que je viens de citer son nom, elle avait 17 ans, voilà. Des pédobies voulaient l'emmener pour les violer et les droguer pour qu'ils ne se rappellent de rien et tout en mode Zen Man. C'est ce que je veux dire. Bref. Il voulait la droguer. Du coup, voilà. Après la violer. Et ensuite, les abandonner. Ça, c'était la version des années 50. Enfin, la version où que tel le nom que je viens de citer dans la vidéo. J'ai un bug, excusez-moi, j'ai... Le nom de la meuf qu'on parle, là, le nom de la légende, voilà. C'est passé dans les années 50, où qu'elle est morte. Du coup, voilà. Du coup, elle qui n'avait pas bu dans le verre où ils ont mis de la drogue dans le verre, parce que... À la fête, il y avait une soirée qui était organisée pour je sais plus quoi, et on s'en fout de ça, c'est pas le principal. Voilà. Alors donc, il y avait du champagne, il y avait du punch, il y avait du whisky, il y avait de la vodka, voilà, t'as compris. Non, sans deck. Il y avait toutes sortes de boissons. Du coup, deux gars ont eu la malheureuse idée de mettre de la drogue en poudre dans le verre. Du coup, voilà. Du coup, sa copine, qui est toujours vivante à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Si c'est bien ce que je pense. N'est pas morte. L'autre non plus. Mais par contre, la légende dont on parle, elle est morte. Parce qu'elle essayait d'échapper à son agresseur, qui en fait lui faisait croire qu'elle était amoureux d'elle. Voilà. Du coup, voilà, il la poursuit, il crie son nom, il dit attends, je veux juste te parler. Du coup, voilà, elle s'enferme, elle est dans une impasse, et du coup, voilà, son pote la retrouve et tout. Du coup, voilà, ils veulent l'attraper pour l'emmener, lui aussi la violer, voilà. Et du coup, la légende urbaine qu'on parle, lui met une gifle. Après, l'agresseur, bien sûr, s'enflamme. Et la gifle, en criant, espèce de petite putain. Traduction, espèce de pute. Voilà. C'est un peu le récapitulatif de Urban Legend 3. Voilà, voilà. Du coup, femme mourait sur le bûcher, meurtre après l'accouchement.
marre d'un seul en voiture. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Après, ce que je te conseille, si tu veux plus te renseigner, c'est d'aller sur le site, sur un blog où, qui raconte cette histoire. Bah voilà, voilà, voilà. Ça, c'est les gens les plus courantes. Hein. Après, il y a des gens de moins populaires. Moi, je te dis, les gens les plus courantes. Hein. Après, c'est voilà. Il y a plusieurs phases, il y a plusieurs croyances, il y a plusieurs. Voilà. Ah oui, si tu veux l'invoquer, tu mets une bougie. Et à gauche. Et à droite de la glace. Tu te mets dans le noir. Tu prononces comme tu veux, si tu es suicidaire, tu prononces cette fois son nom. Ou tu prononces trois fois en le chantant, comme si tu chantais une chanson, voilà. Du coup, voilà. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, tu te mets dans le noir, tu prononces trois fois en le chantant. Et tu prononces, je vais le remarquer... La formule que je vais te mettre en gras ici maintenant. Après tu l'as cité trois fois. Attends. Voilà. Tu prononces. Non attends. Deux secondes. Tu prononces cette formule. Après tu l'as chanté trois fois pour provoquer l'entité en question. Attends. Je te mets en full cam. Tu prononces ça à la fin du rituel. Voilà. Bref. Voilà, voilà. C'est un peu légende courante. Après, t'as plusieurs légendes, mais moi, j'ai pas tout appris. Je connais plus les légendes les plus courantes. Voilà. T'en as des centaines, on dit ah bah moi je préfère celle-là, ah bah moi je préfère ceci, ah bah moi nanana, ah bah ouais nanani, oh, on s'en bat les couilles, croyez ce que vous voulez, voilà. Voilà, 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 tout mon livre de croire ce qu'ils veulent, moi c'est les gens les plus courantes, voilà, voilà. Après simple, tu tapes les gens de nanana blog, voilà, je peux dire le nom. Voilà, voilà. Ils traquent plusieurs les gens. Je vais voir un peu à quoi ressemble le blog. Merde, je pense. J'ai pas de navigateur internet. Ah, pas attention à la photo de profil, c'est... J'étais en mode racaille. Pas attention à ma photo de profil. Voilà, t'as celui-là. Ouais. T'as celle-là, t'as ça. Ou alors t'as plus celui-là. Hein, de quoi? Voilà. Alors, première légende qui parle de celle-là. Après, t'as la passe plusieurs formes. Hein. Lance avec ton visage tout pâle. L'autre, c'est avec le visage. Brûlé. L'autre apparent visage décomposé. Aïe. À l'appareil avec visage blanc avec des larmes qui coulent du sang. Voilà. Voilà, voilà. Et à les yeux noirs. Vraiment noirs, mais vraiment noirs. Après, il y en a une autre qui a raconté qu'elle était brûlée. Alors, à l'oreille. Bon. Je sens que je vais faire des cauchemars ce soir, moi, putain. Je vais te voir un peu à quoi ressemblent les différentes légendes.
Ah, elle ressemble en partie à ça. Première forme. Plus couramment cette forme. Oui, a fait flipper. Oui, wow. J'ai l'impression de devenir fou, les amis. Ou alors. Elle ressemble principalement à ça, voilà. Voilà, voilà. Et il y en a une autre qui raconte qu'elle ressemblerait à. J'ai pas l'image. Ou à ça. Soit. Ah, ne confondez pas cette légende-là avec celle en question. Celle-là, c'est la version japonaise. Voilà. Bref, il y a plusieurs formes. Voilà, c'est très glauque. Voilà. Ah, ce que je cherchais. Alors. La forme qui fait la plus peur est celle-là. Alors, t'imagines, tu vois une meuf de ce type-là. C'est sûr que. Oui, attends. C'est sûr que si tu vois une meuf de ce type-là devant toi, t'es en mode. Ok, je me taille. Ouais. Du coup, voilà. Bon, on va arrêter cette musique stressante. Parce que ça commence à me faire flipper. Du coup, voilà. Voilà. On va se quitter là-dessus, les amis. Je vais mettre un peu de musique, un peu ambiance. Pas assez fort là. Voilà, j'espère que t'auras aimé un peu la vidéo. C'était Jargos. Like, abonne-toi, partage, commente pour m'encourager à faire des vidéos. Et j'espère que ce nouveau concept t'aura plu. C'est pas non plus une vidéo très très longue, comme d'habitude. Mais bon, je me dis que moi et mes connaissances en légendes urbaines, je me dirais. Pourquoi ne pas les exploiter en live Twitch et les mettre en rediffusion sur YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, je tiens à le dire, c'est Joe the Dargost. T'enlèves le Twitch et tu mets Joe Dargost. Alors, Joe espacé, The espacé, Dark espacé, Ghost espacé. Ouais, du coup. Voilà. Bon. J'espère que tu auras aimé un peu. Bah écoute, si vous voyez que je suis pas encore vivant. Demain, c'est-à-dire que je suis mort. Voilà. Et bien sûr, attends. Notre petit Stéphane qui est ici. Ben voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. On va se quitter là-dessus. Je suis désolé de ne pas en connaître davantage. Je t'ai raconté les gens les plus courantes, ceux qui sont le plus racontés. Voilà. Ah, petite précision, une autre légende raconte qu'elle t'emmènerait avec toi dans son château. Voilà. Pour te torturer. Donc, bah, si t'es suicidaire, bah, t'as plus qu'à faire le rituel. Voilà. Voilà. N'oubliez pas que mon Insta, c'est Jojo Walker, Jojo Ghost. Voilà. Je mettrai bien sûr en bio, c'est-à-dire en description. mon Insta. Ah, me demandez pas. Tiens, c'est quoi ton snap? J'en ai pas! Du coup, voilà. Bref. C'était Jargos. Like, aime-toi, partage, commente. C'était Jargos. Je te mets en inscription. Pour tous ceux qui veulent bah, me parler. Pour tous ceux qui veulent liker mes photos, mes vidéos.
les annonces que je poste. Comme quoi, il y a des vidéos qui sont sorties, voilà. Du coup, voilà, voilà. C'est pour info, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Alors, chaque vendredi après-midi, je dis qu'il y aura des vidéos de sortie le week-end. Donc, voilà, c'est pour comme dire que je... que vous êtes informé de la vidéo qui va sortir. C'est pour ça, abonne-toi et éventuellement à ma chaîne Twitch, Joe Switch, pour ne pas rater quand la vidéo sortira en live. Voilà, c'était JRS, passe une bonne journée. Encore un anniversaire merveilleux à ma soeur. À ma soeur qui vient de prendre 17 ans. Aujourd'hui. Voilà, voilà. Ah, t'as. Tu veux être amoureux d'elle? Bah. Pas de balle à un mec. Voilà. Elle a un mec. non, ouais. Elle a vraiment un mec, oui. Elle a vraiment un mec. Par contre, moi. Je suis célibataire. Amen! Bon, bref. T'es JR Ghost. Like, abonne-toi, partage, commente. T'es JR Ghost. A plus pour de mes vidéos. Peut-être un gameplay, peut-être une légende urbaine, peut-être un anecdote, des anecdotes ou quoi, je sais pas. Je sais pas. T'es JR Ghost. Abonne-toi, like, partage, commente. Ça fera plaisir. On essaie d'atteindre pour avant le 12 mai 2023 les 100 abonnés. Ça sera un merveilleux cadeau de la part de vous. Ce 12 mai 2022, j'aurai 23 ans. Et le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est de faire atteindre les 100 abonnés. T'es JR Ghost. Ciao. Let's go, my girls. Blah. Turn down for what?